super contente de filmer. Il s'agit d'un challenge. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu sur YouTube. Pour vous expliquer en quoi consiste ce challenge, il suffit d'avoir deux bols. Donc là, moi, j'ai pris des... Bon, on dirait que c'est des marmites pour la cuisine, mais on va rien dire, d'accord? Donc j'ai pris deux bols dans lesquels j'ai mis des petits papiers, donc je vais vous expliquer. Dans le bol qui est à ma droite, donc à votre gauche, j'ai mis dedans des petits papiers avec des couleurs. Donc là, la couleur que j'ai tirée, par exemple, c'est argenté, vous avez du blanc, du bleu, du rouge, enfin voilà les couleurs, selon les couleurs de fard à paupières que je vais avoir. Et dans l'autre, j'ai mis deux petits papiers, j'ai mis un papier satiné irisé et un papier mat pour avoir le fini des fards que je vais utiliser. Par exemple, si je prends la couleur, je sais pas, bleu avec, hop, l'autre papier c'est irisé, et bien dans toute ma collection, je vais devoir trouver un bleu irisé et l'utiliser sur mon œil. Jusque là, vous vous dites, bon, rien de bien compliqué, elle va juste piocher des papiers, mettre les couleurs sur ses yeux, je vois pas l'intérêt. Et bien en fait, il est là l'intérêt, c'est que je vais avoir un timer sur mon téléphone d'environ 30 secondes. On réduira le temps si jamais 30 secondes c'est trop, mais on va commencer avec 30 secondes. Et en fait, toutes les 30 secondes, je vais devoir changer de couleur. Donc si par exemple, au début j'avais, je sais pas, tiré justement le bleu là, irisé, je vais commencer mon œil avec du bleu irisé, et après, je sais pas, par exemple, que je vais tirer une autre couleur et que ce sera rouge mat, je devrais me débrouiller avec ça. Voilà, donc j'ai mis 30 secondes et dès que je serai prête, j'aurai plus qu'à appuyer sur play et puis on pourra commencer la vidéo. Petite précision, j'ai déjà fait mon teint, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà l'highlight, le contour, le blush et les sourcils de fait, puisqu'aujourd'hui je vais me focaliser uniquement sur les yeux. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce genre de concept vous plaît et à la partager pour que je puisse voir un peu le look de tout le monde et ce que ça aura donné finalement, ou s'il n'y a que moi qui vais me ridiculiser. Donc voilà. Bon ben, je vous laisse avec la vidéo. Donc j'ai préparé le timer à 30 secondes, je sais pas si vous voyez. Et puis on va commencer, comme ça, ça vous parlera peut-être un peu plus que j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure. Donc c'est parti. Alors, je vais commencer du coup par piocher dans les bols. Alors, on va voir avec quoi je vais commencer. J'ai peur de ce avec quoi j'ai commencé. Je fais exprès de ne pas mettre de base à paupières parce que je veux pas que ce maquillage tienne toute la journée. Donc on va commencer avec du bleu. Donc voilà, du bleu et le fini, ce sera mat. Donc un bleu mat. Donc j'applique le bleu en creux de paupière. Est-ce que vous voulez rire? J'ai oublié de mettre le chrono. Oh, bon bref, du coup pour la pénalité, je vais mettre que 20 secondes. Attention, je vous montre. C'est parti. Je vais aller sur l'autre œil pour pas tricher. Et dès que ça sonne... Il me reste que 8 secondes, ça va être horrible pour estomper. Mon dieu, ce challenge est horrible. J'ai mis 20 secondes pour me punir. Ah non! Ok, c'est fini, je dois rester avec ces fards atroces. Et donc maintenant, nous allons avoir du jaune. Mat ou irisé? Bah parfait, du jaune irisé satiné. Donc attention timer, vous êtes prêts? C'est parti! Ah, j'ai pas de miroir, oh mon dieu, j'ai pas de miroir. Je vais le mettre en coin interne de l'œil. Oh, c'est horrible. Là, ce que vous savez pas, c'est qu'après, je dois rentrer chez moi comme ça. Vite. Oh, j'ai pas eu le temps de faire l'autre œil. Ça ressemble à rien. Là, s'il me disent par exemple du bordeaux, ou du violet, je vais commencer à pleurer. Allez, c'est parti, je pioche. Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Du orange, continuons la folie. Attention, mat ou irisé. Du orange satiné ou irisé. Ok, j'ai trouvé un orange irisé. C'est la palette Life is a Festival de Too Faced. Et la couleur, c'est Sunset Dream, donc la couleur qui est juste là. C'est parti. Hop. Donc, vide du orange, vide. Je le mets juste après le jaune. De toute façon, vous voyez cette horreur. C'est rattrapé. Ça ne ressemble à rien, les gars. Et ça y est, le timer a sonné. Bon, oh, bah, une autre couleur. Hein. Allons-y. Ah, bah, parfait. On met sur bordeaux irisé. Aidez-moi.
Ok, donc irisé, non, irisé, je le remets, bordeaux, je l'enlève. Ah oui, je précise, j'enlève les papiers à chaque fois pour pas retomber deux fois sur la même couleur pour que ce soit vraiment marrant. Je vais prendre la palette Twinkle Light de chez Elsa Makeup. Je vais utiliser la couleur Scandale. Ok, donc 20 secondes, attention, c'est parti. Bon, hop, vite, la couleur Scandale. Et je continue dans mon dégradé de couleur, hein, puisque de toute façon, foutu pour foutu. Non, c'est définitivement pas assez, les gars. Alors, autre couleur, du marron. Oh, pitié du mat. Pitié, j'en peux plus des fards irisés. Et là, la couleur, ce sera Mathias. C'est parti. Eh, honnêtement, ça va mieux, hein. Ça fait un joli dégradé à part le bleu dégueu, là. À part le bleu dégueu, on s'en sort. J'aurais jamais dû le mettre, là. Alors, attention, autre couleur. Du blanc. Parti, 20 secondes. Ah! J'ai tellement peur de ces 20 secondes, c'est horrible. Voilà. Alors maintenant, nous avons du rouge. Bah, ça nous manquait dans le rouge. Ok, donc du rouge mat irisé maintenant. Irisé satiné. La palette Be Mermaid by Make Waves de Tarte. Et je vais prendre la couleur Beach Please. Attention, c'est parti. Oh, vite. En plus, les couleurs sont hyper pigmentées depuis tout à l'heure. C'est horrible. J'essaie de remplir là où il y a des trous dans mes yeux parce que ça ressemble à rien. C'est fini! Ok, et maintenant il me reste 3 couleurs. Ok, donc maintenant on a... Bah, il ne manque plus que ça finalement. Du verre mat. Je pense que je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. C'est parti! J'essaie de l'appliquer que dans le coin externe. Voilà, comme ça, ça rappelle l'espèce de bleu dégueu qui est en haut. Ok, et ben là, je tombe sur de l'argent. 20 secondes. C'est parti. Oh là là, c'est horrible dans ces palettes, il n'y a pas de miroir. Voilà, c'est fini. Ok, donc bah voilà, hein, ça ressemble pas à grand chose. Et maintenant, il me reste une couleur, donc... La dernière couleur, c'est le violet. Le violet, on l'attendait. Et le violet mat en plus. Ben voilà, bah nickel. C'est parti. Ok, top. C'est fini. Je disais tout à l'heure que j'avais terminé les couleurs, mais c'est pas vrai. J'avais pas vu, il m'en restait une. Donc la couleur, c'est le noir maintenant. Mat. Un noir mat, ça va faire du bien. Oui, là, j'en ai un dans la palette d'Elsa Makeup, donc la Twinkle Light, hein, c'est ce qu'on va utiliser. Et là, je pense clairement que je vais le mettre en coin externe et en masse pour essayer de cacher tout. 3, 2, 1, top. Ah, vite, plein de noir sur mon pinceau. Voilà, ça a sonné. Ah, bon, maintenant, on va passer du coup au crayon pour les yeux. Alors, j'ai pas malheureusement des crayons de toutes les couleurs, donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Donc, pour la muqueuse inférieure, donc j'ai du bleu. Donc, on peut encore faire pire que ce qu'on a là. J'ai du marron, j'ai du doré, j'ai du beige, j'ai du violet et j'ai du noir. Donc, on va voir laquelle de ces couleurs, sur laquelle de ces couleurs je vais tomber. En priant pour que ce soit genre un marron ou un noir, ce serait top. Et je vais prendre la couleur beige.
Alors attention, 3, 2, 1, top. Voilà, j'ai fini avant le timer et attention. Et voilà! Je vais me rapprocher histoire que vous puissiez voir ces magnifiques yeux. Je vais juste avant ça mettre du mascara histoire de cacher la misère. Ok, donc je me suis rapprochée pour vous montrer ce désastre. C'est horrible. Alors attendez, je vais essayer de reculer la lumière pour que vous voyez peut-être mieux. Voilà, donc j'ai mis du vert, du violet, du argenté blanc. Voilà, le dégradé là pourrait être pas mal. Regardez, il faut enlever le bleu. Voilà, mais j'ai fait l'erreur de mettre du bleu là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pas... Voilà, en tout cas, vous voyez à quel point ce résultat est fabuleux. Donc en plus, vous voyez bien que j'ai pas eu le temps de faire les deux mêmes yeux. Hein. Là, vous le voyez bien. Je regarde dans le retour pour vous montrer, voir si vous voyez bien. Mais ouais. Voilà, je pense que vous avez vu le résultat de près, c'est une catastrophe. En fait, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous tombez sur des couleurs genre bleu, mettez-les en ras de cils parce qu'au pire, ça fera la petite touche de couleur, vous voyez. Ne faites pas comme moi, hein, l'erreur à ne pas faire parce que le bleu se mélange très difficilement aux autres couleurs. Donc vraiment, mettez-le en ras de cils. Je le sais en plus que le bleu se mélange pas avec tout. Et voilà, j'ai oublié de faire ma valise, le mettre en creux de paupière. Paf! Voilà, donc au moins vous ne ferez pas la même erreur que moi, vous mettrez en ras de cils inférieur. Ok, donc c'est parti. Alors attention, mélange des... J'ai tellement peur de ce que je vais sortir. Ah, je croyais que j'en avais un, mais pas du tout. Les gars, j'ai pioché du violet. Du violet, quoi! Puis bon, on va la prendre en 20 secondes, histoire que ce soit vraiment immonde. Et sachant, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais je suis pas chez moi là, d'accord? Je suis dans le bureau dans lequel je filme les vidéos. Et il va falloir que je fasse le chemin jusqu'à chez moi avec cette tête là. Plus le rouge à lèvres violet en 20 secondes. Est-ce que vous êtes contents pour moi? Le bleu en ras de cils inférieur, à retenir, d'accord? 3, 2, 1, go! Est-ce que là, vous me trouvez éblouissant? Est-ce que là, vous vous dites, oh, je veux reproduire ce make-up? Non. Non, vous ne dites pas ça. Oh. J'espère que ce challenge vous a plu. Puis, ben, je vous fais des gros bisous. À la prochaine.